faire popette parce que c'est une fille. Qu'est-ce que tu racontes, Théo? Je dis ce que je dis, madame Florence. Tu préfères popette parce que c'est une fille. Voilà. Et puis parce qu'elle a des robes comme toi. Et puis, oh, tu vois, elle a des cheveux. Et puis des petits bijoux. Et tout ça, et tout ça. Et puis, oh là, voilà. Maintenant, elle a une petite aile pleure. Hein? Alors, c'est ta chouchou, ta petite chérie. Et patati, et patati. Bon, on se calme. D'accord, hein? Je ne préfère pas du tout, peut-être c'est pas du tout ma petite chérie. C'est juste que maintenant elle est malheureuse, alors elle pleure, voilà, c'est pour ça. Ah, je suis malheureuse. Et encore plus maintenant, parce que c'est même pas vrai que je suis la petite chérie, madame Florence. Mais si, peut-être, c'est ma petite chérie. Non, mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais tout ça, Théo, c'est parce que tu veux pas perdre. Mais vraiment, c'est pas si grave de perdre. Si, c'est grave, mademoiselle Popette, de perdre. Parce que moi, j'ai déjà perdu hier au foot. Et puis aujourd'hui et hier encore au rondeau avec mes cousins. Et alors, ça veut dire que je perds tout le temps. Quoi?
pas, tu dois pas lui faire le baiser de la reine. Ah. Mais si, Théo, justement. Bah, quoi, justement? Bah, si c'est ton ennemi, tu lui donnes le baiser de la paix. Parce que si c'est ton ami, t'as pas besoin de faire la paix, puisque c'est ton ami. Ah oui, mais sauf si on s'est disputé comme on tout à l'heure. Ouais, et ben bah, comme on se dispute, et ben bah, c'est comme si on n'était plus des amis pour un petit moment. Voilà. On est des amis, mais des amis fâchés. Ouais. Et quand on est fâché, on n'a pas du tout envie d'être gentil. Tu sais, tout à l'heure, quand tu faisais ta crise là de triche gagne perd, et ben moi j'avais pas du tout envie de te faire un baiser de la paix. Ouais. Tu sais, je crois que les baisers de la paix, c'est aussi pour ceux à qui on n'a pas envie de les faire. Ah oui? Ouais. Mais moi, de toute façon, peut-être j'ai quand même toujours envie de te faire un bisou de la paix, même si on est fâché. Mais ça, c'est parce qu'on est des amis plus forts. Elle a pas...
Et votre nouvelle grande, comme Myriam et Lauriane, garantissez
les papiers. Ah, ouais. Ouais. Mais des fois, ça nous pose des problèmes de quantité. Oui. Pardon, papiers. Il y a des problèmes de quantité quand on est en 4 ans, même non. Mais non, madame, la différence de quantité, comme la carte de quantité que tu montres quand tu passes la frontière. Tu parles des problèmes d'identité, peut-être. Ouais. Je vais voir un tout petit peu trop la théorie.
depuis... D'abord, ça fait longtemps qu'on en parle. Et non, je ne vais pas disparaître avec une météorite comme ont disparu les dinosaures. Alors, on va exagérer quand on reverra. En plus, je vais continuer de faire avec vous la tournée. On se verra encore. Ah, oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Oui, non, mais attends, une fois tu sais les croix, ils font des promesses, et puis après, ils n'arrivent pas à les tenir, ça vous connaît, hein, et alors ça, c'est absolument terrible. Ouais, comment on peut être sûr, sûr, sûr? Oui, parce que moi, je veux bien croire, mais seulement si je suis sûr. Ouais, mais là, je suis désolée de vous promettre, parce que croire, c'est pas être sûr. Mais si je vous dis que maintenant, on va continuer de se voir, bah, vous pouvez croire. Ah, ouais? Ouais. Croire, c'est prendre un risque. Oh! Alors, si je vous dis qu'on va continuer de se voir, il faut le croire. Et si je vous dis que vous allez avoir deux nouvelles madames, il faut le croire aussi. Et c'est comme avec les dents, ça vous fera découvrir des choses nouvelles. C'est un peu pareil, c'est pas exactement la même chose. Mais pourquoi il faut toujours que les gens y partent? Déjà que ma copine Natacha, qui était dans ma classe, eh ben, elle est partie vivre aux États-Unis et je ne la reverrai plus jamais. Et puis, je peux faire une présentation, Théo? Et quand on est un petit peu triste, on ouvre le sac, on prend
un objet et on se dit « Ah, ça c'est un bon souvenir, c'est une manière de faire un beau retour à la personne avec vous. » Même si elle est plus exactement là, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, d'accord. Yeah. Moi, j'aimerais quand même qu'on se quitte jamais. Bon, et dis Théo, oui. La prochaine fois qu'on se voit, ouais. Est-ce que tu serais d'accord de me laisser gagner sans faire une crise pour que j'aie une bonne image de toi? Attends une seconde, mademoiselle Popette. Parce que je voudrais préciser une chose, c'est que d'abord, moi, je vais pas partir, hein. Parce que je te rappelle que les Théo Popette, c'est Théo et Popette, d'abord. Ah,
ça c'était la chanson, c'est sûr qu'on a chanté parce qu'on l'a chanté à chaque fois. Peut-être que vous verrez, je peux vous montrer aussi ça. La règle des trois R. Oui, c'est moi qui arrive, la règle des trois R. Le temps.
qui passe là-dessus. Ouais, c'est grand comme on a fini. Et ça, c'est quoi? C'est fait quelque part là-dessus. De Popette, l'anniversaire de Popette, et on lui faisait une surprise. C'était la surprise. Oui, c'est Popette qui t'a fait la surprise. Et voilà. Tu m'en as refait un autre, merci. Et puis il y en a encore dans la vidéo, mais autant que Popette, Lune, Charlotte ou Théo. Les chaussures à Popette. Et ce pauvre Théo, ce jour-là, tout va mal. Oui, ça n'allait pas bien du tout. Ça n'allait pas bien du tout. Et puis aussi, il est malade. J'avais mis mes chaussures à l'envers. Ouais, t'avais mis tes chaussures à l'envers, tout allait bien. Et même j'étais tombée. Vous êtes prêts, les enfants aussi? Oui. Ok, on est parti. Ah, c'est à moi.
Il y a Fantasima, il y a Marc aussi, le grand de Fourmix, il y a Élise, qui est venue voir moi, Madame Sandrine, qui vient avec moi, je vous dis Mélissa, et merci.